Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you. Bon matin tout le monde, on est dimanche, donc hier je vous ai pas filmé. En fait là, oh mon dieu, j'étais tellement fatiguée hier, puis cette nuit j'ai pas passé une super nuit là. Je sais pas, Jaden s'est réveillé souvent, puis c'est ça. Donc je suis très fatiguée. Je me suis levée, je pense. Bon, là, je me suis levée. J'étais réveillée pas mal, beaucoup, mais je me suis levée peut-être dans les 9h. Puis j'ai pris mon bain. Puis, ben en fait, ça donne peut-être dans les 8h parce que j'ai allaité Jaden avant. Mais bref, si j'ai des grosses cernes, c'est pour ça. Là, j'avais prévu mettre une vidéo en ligne aujourd'hui, mais je l'ai pas tournée. Je voulais tourner aujourd'hui, mais je suis tellement fatiguée que ça me tente pas de le tourner, alors je le tournerai pas. L'affaire, c'est que c'était ma nouvelle série qui est comme Dimanche Spa, le nom de la série. Fait que je veux pas tourner ça demain, c'est ça le problème, parce que je veux vraiment le mettre le dimanche en ligne. Ketchup, relish, moutarde. Puis un juste ketchup. Ok, là, on va dîner. Donc, Anthony vient de faire des hot dogs sur le barbecue. Puis, avec une salade, je vais vous la montrer. C'est une salade que j'aime beaucoup. Donc, c'est comme ça ici. Fait que c'est tomates, feta, concombre, olive et une vinaigrette feta grecque et origan. Anthony, lui, a mis des avocats aussi. Moi, c'est que j'aime pas la texture de l'avocat. J'aime le goût, mais pas la texture. Parce que vinaigrette, c'est... Ouais, toi t'as vinaigrette? Une cuillère de salsa de mangue avec du jus de citron. Ouais. Alors voilà. Donc là, on va écouter, on est rendu pas mal dans la fin de la série How I Met Your Mother. Il reste 8 épisodes, fait que peut-être il y en reste genre 6, je sais pas. Fait que, on va écouter ça. Puis après ça, ben je vais faire du ménage, puis il fait beau, fait que je vais peut-être prendre une marche avec Judith, mais plus tard, là. Bon, tout le monde, il est rendu 5h38, puis j'ai fait une grosse sieste. J'ai fait une sieste de quelle heure, Anthony? À 2h à peu près? 2 à 4h45. Ouais, une grosse sieste. Anthony s'est occupé de Jaden. Ben, je suis dormi avec Jaden. Ouais, t'es dormi avec Jaden. Puis, que j'allais dire. C'est ça. Là, j'ai comme mon sommeil, ça va super bien. Là, quand je me suis levée, j'ai allaité. Puis l'Anthony vient de me faire une collation. Et une mangue. Fait qu'il m'a coupé une mangue. Ah, ça va être bon. Puis après, je vais tirer mon lait. Et là, il faut partir le lavage de Jaden. Puis là, lui, il est dans sa chaise. Un bon concombre. En train d'allaiter. Jaden, il rentre sur Anthony. C'est tellement drôle. Ah! Il force full, par exemple. Oh mon dieu! C'est tellement drôle! Je peux même pas donner moi. Je vais faire ma face là. Tu peux avancer? Il passe pas, mon bébé. Bon, tout le monde, j'ai vraiment pas beaucoup vlogué aujourd'hui, puis j'ai oublié de vous dire quelque chose. Parce que hier, j'ai eu mes allergies tellement intenses, là. J'arrêtais pas de me frotter les yeux, puis j'avais pas de pilule d'allergie. Puis en fin de compte, Anthony était m'en acheter plus tard, là, au Costco. Mais j'avais pas de pilule d'allergie, puis j'arrêtais pas de me frotter les yeux. Fait que j'ai perdu, ok, plein de cils. Ben, genre de mes extensions de cils, là. Pas de mes cils, mais plein d'extensions de cils. Fait que si vous trouviez ça bizarre que. Genre, il y a 2 jours, j'en avais plein, puis là, j'en ai plus beaucoup. C'est à cause de ça. Fait que j'étais frustrée, mais genre, j'étais pas capable d'arrêter de me frotter les yeux, là. C'était intense, puis comme toute la journée, là, genre, c'était intense. En tout cas. Alors, c'est pour ça, c'est poche. Mais bon, c'est la vie. C'est les allergies. Mais là, c'est sûr, il a été m'acheter un gros pot de Benadryl au Costco. Puis là, c'est ça, je m'en vais dans la douche. Il est 10h11. Juste pour me rafraîchir, mais là on a parti l'air climatisé puis on est bien. Mais là je vais vous montrer, il y a une maison qui est à vendre, qui est comme en fait la même maison que moi, mais ailleurs, genre, dans le petit quartier. Puis dans le fond, nous, c'est notre sol, il est pas fini. Mais là, eux, le sol est fini, fait que j'ai regardé les photos. Je suis vraiment curieuse, hein, fait que j'ai été voir parce que j'aime ça. Tu sais, je sais que la maison est faite comme moi, fait que
ça me donne les idées, tu sais. Puis là, leur ciel est fini, puis regardez, c'est exactement ça que je veux comme dans ma salle de lavage. Genre, ça remonte pas les vraies couleurs, mais comme c'est comme ça qu'elle est faite, là. Vous pouvez voir ma salle de lavage en bas, tu sais, j'ai le mur et tout, c'est comme ça. Fait que comme on va changer quand même bientôt nos laveurs sécheuses, là, si je vais avec des frontales, ça va donner ça. Avec le comptoir puis les armoires en haut, là, c'est genre exactement ce que je veux. Mais nous, on a payé, dans le fond, on a fait faire la plomberie comme dans ce coin-là. Dans le fond, il y a la pour une toilette, un lavabo puis une douche comme dans le coin. Ce qu'on voit pas là, bon, les couleurs sont vraies. Fait que nous, c'est ça qu'on va faire. Dans le fond, ça va être une salle de bain plus genre ça. Mais ça fait full beau puis genre, en tout cas, ça fait beau. Je veux faire ça. Puis regardez, juste pour vous donner une idée, ils ont fini le sous-sol. Tu sais, c'est exactement les mêmes dimensions que moi, là. Fait que ça donne une idée. Puis, je trouve ça full beau, comme le... Dans le fond, ça, c'est où il y a notre escalier. Fait qu'ils ont fait un mur comme ça, puis je trouve ça bien beau. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. J'ai vraiment hâte, mais c'est pas tout de suite qu'on va faire ça, là, parce que... Ben, c'est vraiment pas une nécessité, t'sais. Il y a juste laveuse sécheuse. Puis quand on va faire le sol, on va faire genre tout le sol. C'est pas juste la salle de lavage, on s'entend. Alors, en tout cas, c'est ça. Je vous dis bonne nuit et on se reparle cette semaine.